Bon, l'ASBO, c'est un club de foot où on peut commencer à jouer le foot à partir de 5 ans. À savoir qu'un joueur qui est vraiment attaché aux couleurs de son club, il peut rester à Beauvais de 5 ans jusqu'à 35 ans. Mais à travers ce parcours, il aura différentes étapes à franchir. C'est-à-dire qu'il passera d'abord sur l'école de foot, puis à la préformation, puis à la formation, pour éventuellement finir professionnel. Le centre de formation date de 85. Il a été mis en place par les dirigeants qui ont relancé le club en 81. Le centre de formation, au fil des années, s'est quelque peu étiolé. Les installations n'étaient plus en conformité avec le travail qu'on souhaitait réaliser. Et il y a 2 ou 3 ans, le club a pris la décision de réinvestir au niveau des structures pour justement reformer des joueurs, qu'on ne faisait plus depuis quelques années. La formation des joueurs étant censée nous permettre de construire une équipe performante à des coûts moins important que lorsqu'on va recruter des joueurs à l'extérieur. Donc ce centre, dans sa nouvelle forme, date de 2 saisons, de juillet 2000. Et dès aujourd'hui, on peut dire qu'il remplit sa fonction à plein, puisqu'il y a déjà un certain nombre de jeunes de la première session qui sont aux portes de l'effectif professionnel. Et donc, notre choix aujourd'hui semble couronné de succès. Le coût est important, mais le jeu en vaut la chandelle, semble-t-il. Je suis arrivé là, ça fait environ 6 ans. J'ai commencé en moins de 13 ans, première année, avec Pascal Lejeune. Je suis arrivé après une détection. Puis, ils m'ont proposé de venir au club, puis j'ai accepté. Puis voilà, 6 ans que je suis là. Là, je suis rentré en centre de formation il y a 2 ans. Là, j'entame ma 3e année. C'est un bon groupe de copains, c'est une bonne ambiance. On peut pas se plaindre. Bon, il y a des hauts, il y a des bas comme dans tout, comme la vie quotidienne. Mais il y a une bonne ambiance, on s'amuse bien, on rigole bien. Ce qui est bien dans ce groupe, c'est qu'on arrive à faire la part des choses. Dès qu'il faut se mettre au travail, à l'entraînement, là, on sait qu'il faut se mettre au travail. Il y a un temps pour s'amuser, pour se détendre, et un temps pour se mettre au travail. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave. Bon, c'est vrai que la saison 2001-2002 a été une bonne cuvée pour le club. Ça aurait pu être la meilleure cuvée, c'est pas tout à fait le cas puisque le classement obtenu au final avait déjà été réalisé par d'autres groupes précédemment. Maintenant, il est vrai que pendant 33 journées, on a tutoyé un petit peu la première division, le rêve. On a cru longtemps qu'on pouvait y accéder. Cela dit, par manque d'effectifs, manque de qualité sûrement aussi, puisque le groupe était somme toute assez moyen. Manque financier, puisqu'on n'a pas pu non plus renforcer ce groupe au moment du mercato d'hiver. On a obtenu un classement honorable, mais quelque peu décevant par rapport aux 2 premiers tiers du championnat. C'est pas une hérésie que de dire que la saison 2001-2002 a été une saison exceptionnelle. C'était une saison qui est bien au-delà de tout ce qu'on pouvait espérer. Parce que c'est vrai qu'il faut avouer une chose, c'est que quand vous avez un budget de l'ordre de 5 millions d'euros,
C'est difficile en début de saison d'annoncer, tiens, le club de Beauvais, on a 5 millions d'euros, on a des bons joueurs, donc on va jouer à la montée. C'est impossible. Donc ce qui s'est passé, c'est que les résultats, on les a pris un par un, en se disant que systématiquement, c'était une victoire supplémentaire. On était en haut du tableau, on était dans les 4 premiers, c'était du bonus, c'était bien, on se sentait bien, tout se passait bien dans le club. Et la victoire aidant, on était dans le cycle de la victoire et tout se passait naturellement. Et l'appétit vient en mangeant. Donc c'est vrai qu'à mi-saison, quand on a commencé à continuer à engranger les bons résultats, on s'est dit peut-être bien que la montée, c'est envisageable. On ne peut pas, quand on est dans le monde du sport ou dans le monde des affaires, se dire aujourd'hui de refuser une montée en D1. Aujourd'hui, ça aurait changé la vie de tout le monde. Les gens au club, les salariés du club. Et ça aurait tout changé au niveau de la ville de Beauvais. Donc aujourd'hui, je tiens à le dire officiellement, au nom de tout le club, il n'y a jamais eu de volonté délibérée de ne pas monter en D1. On n'est pas monté pour d'autres raisons, mais surtout pas celle-là. Et sachez une chose, c'est que si demain se reproduit le même schéma, on cherchera à monter en D1, comme on a cherché en saison 2001-2002. L'objectif de la saison, c'est toujours essayer de faire mieux que la saison précédente. Alors c'est vrai que cette année, ça sera quand même assez difficile parce qu'on a mis la barre assez haute la saison dernière. C'est vrai aussi que les résultats de l'année dernière ont fait qu'il y a eu un exode massif des joueurs et entraîneurs. Et qu'aujourd'hui, il faut reconstruire un groupe complet au niveau de l'équipe, je dirais, du staff technique. Et des joueurs. Donc je pense qu'il faudra être assez patient avec ce groupe qui est en reconstruction. Mais être patient, ça ne veut pas dire manquer d'ambition. Et l'ambition, c'est de faire au moins aussi bien que l'année dernière. Et pourquoi pas mieux finalement, puisque de toute façon, on a tous à cœur quelque part de faire toujours mieux que ce qu'on a réalisé précédemment. Il a fallu refaire un staff technique, donc avec monsieur Baptiste Gentili, dont le travail réalisé à Ajaccio nous a séduit. Son adjoint cette année sera Jean-Robert Fauché, qui est donc le coach qui a fait monter l'équipe de DH en CFA2 et qui connaît bien la maison. Et il nous reste de la saison dernière, de l'effectif professionnel à proprement parler, que 6 joueurs. Donc il fallait recomposer un effectif complet, ce qui finalement n'était peut-être pas plus mal puisque nous avions 2 nouveaux coachs. Et donc l'entraîneur, depuis 2 mois maintenant, est en train de reconstruire une équipe, très certainement à son image, comme la précédente était à l'image de Jackie Bonnevet. Aujourd'hui, je pense que Gentili va bâtir une équipe peut-être un peu plus offensive. Et donc et aussi avec des garçons qui aujourd'hui sont beaucoup plus méridionaux. Mais je pense que ça, c'est plutôt lié à sa personnalité, puisque ne l'oublions pas, il est corse. Cette année, il y a un renouvellement à 80% de l'effectif. Je pense qu'il y a un cycle nouveau qui commence. Donc il ne faudra pas établir de comparaison avec ce qui s'est passé l'année dernière. En tous les cas, Beauvais a un patrimoine, je pense, et nous, il est hors de question qu'on l'entame. À partir de là, les ambitions pour la nouvelle saison seront dans un premier temps le maintien, avec, encore une fois, toujours des ambitions. C'est-à-dire que, et dans ce championnat et dans les 2 coupes nationales, si on peut faire parler de nous, on ne va pas s'en priver, mais je pense aussi que ça sera le fruit d'un travail. Donc aujourd'hui, plus que jamais, il faut bosser. Donc on va jouer le maintien. Ensuite, l'appétit vient en mangeant. C'est vrai que si les résultats s'engrangent et qu'ils sont
à l'identique que ceux de l'année dernière, je dirais qu'on a un avantage aujourd'hui, c'est qu'on a l'expérience d'une année en arrière. Et que si la même expérience se reproduit, je pense qu'on saura réagir sur un certain nombre de dossiers de façon, je dirais, entre guillemets, beaucoup plus professionnelle, puisqu'on est comme tout le monde, on apprend, et surtout à Beaulieu, on apprend vite. Et c'est vrai que cette saison encore, il faudra être malin pour pouvoir monter une équipe performante. Et là-dessus, je suis pas inquiet. Brisson, c'est quelque chose qui revient souvent ces temps-ci. Il faut savoir que les instances du football international édictent un certain nombre de règlements en matière de capacité et de sécurité pour accueillir donc les spectateurs dans une enceinte sportive, et qu'aujourd'hui le stade Pierre Brisson, donc du club et de la ville de Beauvais, est à 100 lieues d'être en conformité avec ces règlements. La saison que nous avons fait l'année dernière, qui longtemps nous a fait espérer une probable ou une possible accession en D1, a fait en sorte que la Ligue nationale s'est penchée sur notre cas et s'est rendu compte que nous jouions dans un stade qui n'était pas donc fait pour une telle compétition. De là, en collaboration avec les services de la ville de Beauvais, un dossier a été monté pour que le stade, petit à petit ou assez relativement vite, soit mis en conformité donc avec les textes. Et aujourd'hui donc le stade est un vaste chantier, dans un premier temps au niveau des parkings pour accueillir le public qui vient de plus en plus nombreux, c'est la moindre des choses, avec une accession au stade beaucoup plus sécurisée et beaucoup plus facile avec des nouvelles caisses, des nouveaux guichets, des nouvelles entrées aussi, et ensuite avec la réalisation très prochainement d'une ou deux tribunes afin d'amener le stade rapidement à 12 000 places assises, avec toujours la possibilité de pouvoir le passer à 20 000 personnes au cas où demain le club décrocherait son billet pour la division 1, ce qui n'est pas utopique aujourd'hui.